4 minutes de la population. Bonjour docteur. Bonjour patient. Alors, que vaut votre visite? Je dirais 25 euros. Ah, voilà une bonne nouvelle. Et sinon, vous êtes malade? Bah oui, je pense. Complètement malade. Oui. Mais je sais pas, à vous de me le dire, docteur. Comme ma mère sortait le soir. Ah bah tant mieux pour elle, non? Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Ah, je suis malade. Mais enfin, docteur, c'est moi qui suis malade. Complètement malade. Et voilà, j'ai attrapé votre truc maintenant. Redoutable, n'est-ce pas? C'est une serge lamanie. C'est très contagieux. Mais c'est pratique, ça tue les mouches. Eh bien, moi qui pensais avoir le corona. Bonne idée, je vais m'en ouvrir une petite. Enfin, docteur. Excusez-moi, vous en voulez une? Non, merci, je ne bois jamais pendant le service. Mais faut bien qu'on vous serve si vous voulez boire. Eh bien, c'est pour ça que je ne bois jamais. Je comprends. D'abord, vous avez quel âge? 36. Vous êtes donc majeur? Et non, mineur. Vous avez droit à l'alcool, croyez-moi. Je vous parle de virus, pas de boisson alcoolisée. Je vois. Vous avez installé un antivirus? Ben, je prends de l'homéopathie en prévention. Vous avez redémarré votre box? Des compléments alimentaires. Et le petit bouton reset, vous avez essayé? Des probiotiques. C'est pas automatique. Ah non, je le fais manuellement. Quoi d'autre? Je mange 5 fruits et légumes par jour. Continuez. Alors, autant quand c'est le jour du haricot vert, je reste sur ma faim. Je comprends. La faim, c'est bien, mais seulement au début. Autant le jour de la pastèque, j'ai du mal à finir. Je vois. Et à la selle, comment ça se passe? J'ai eu mon galop 1 la semaine dernière. Félicitations. Merci, c'est trop. Oh, le trop, c'est ce que je préfère. Ah, moi, c'est le pas, vous voyez. Trop pas. Et alors, qui vous a mis le pied à l'étrier? Mon grand-papa papou. Parce que j'avais aussi un petit papa papa pou. Je vois, oui. Et un grand petit papa pou qui gratte. Grande famille, dis donc. Ah oui, fallait l'étrier. Oh, qu'est-ce que je trouve ça beau. Et sinon, quels sont vos symptômes? Alors, dans le tome 1, j'ai toussé. C'est tout? Vous parlez verlan? Asrivma, fois par, c'est mon type bio. Et dans le tome 2, j'ai monté en température. À combien exactement? 80 degrés environ. Aïe, dites donc, il est grand temps de consulter. Hein. Ah oui? Bah oui, il faut absolument atteindre les 100 degrés, sinon vous n'êtes pas désinfecté, voyons. C'est qu'à 80 degrés, j'ai déjà beaucoup trop chaud. Ah, sinon vous avez la solution Trump. Construire un mur géant le long de la frontière mexicaine? En quoi cela va-t-il m'aider, docteur? Non, la solution Trump, c'est de la javel en bouteille d'un litre. Vous buvez une bouteille 3 fois par jour et vous n'avez plus de problème. Vous êtes sûr de ça, docteur? Certain. Parmi tous mes patients qui ont suivi cette posologie, aucun n'est revenu me voir. C'est plutôt bon signe, non? Personnellement, je préfère le canard. Mais vous n'auriez pas quelque chose de plus simple? Voyons voir. Une pilule, ça vous irait? Eh bien... Je vous préviens, elle va être difficile à avaler. Oui, Samira. C'est votre femme? Qui? Ben, Samira. Non, elle s'appelle Émilie. Jolie. Merci. Par contre, vous vous touchez des fois? C'est gênant, docteur. Certes, mais c'est important de le savoir, voyez. Ben, ça m'arrive quand ma femme est absente. Comment vous faites pour vous toucher quand elle est absente? Bon, docteur, je vais pas vous donner les détails, quand même. Pourtant, j'aimerais bien savoir, hein. Comment vous faites pour toucher votre femme si elle n'est pas là? Entre nous, ça pourrait intéresser la mienne, hein. Non, si, on se touche, bien sûr. Sur quoi? Sur la peau, partout, enfin, ça dépend. Écoutez, docteur, ça devient gênant. Moi, je demande ça, car il faudra également traiter votre femme, hein, matin, midi et soir. C'est vous le dog, donc. Vous la traiterez respectivement de salope, poufias et au dîner, de cocu. Avec ça, vous devriez tenir les distances de sécurité. Dites donc, vous y allez un peu fort, là. Je vous avais prévenu qu'elle serait dure à avaler. Ce serait pas plus simple de rester confiné? Moi, ça me va très bien. Restez con in fine, si vous voulez. Bon, je ne suis pas venu là pour me faire insulter. Ah, c'est dommage. Vous préférez vous faire fouetter? Pas vraiment, non. Bon, je vous dois combien, docteur? 50 euros, s'il vous plaît. Quoi? Ah, ben, supplément Covid, mais, hein. Mais enfin, vous m'avez même pas fait des tests. Mais je vous déteste pas, voyons. Bon, on dirait pas. Hein. Je ne fais que mon métier. Pour ça, faudrait commencer par me tester, non? À quoi bon? Puisqu'après, il faudra vous détester. Ah, ben, bravo. Attendez un peu, il n'est que 20h. Ne comptez pas sur moi pour vous applaudir. Charlatan. Exactement. Non, je vous dis que charlatan, c'est l'heure de son rendez-vous. Vous êtes expéditif en plus de ça? Je suis efficace, voilà tout. Bon, arrêtez de faire semblant juste pour prolonger le rendez-vous, là, hein. C'est ridicule. C'est ma toux. Bon, écoutez, je suis pas vétérinaire. Hein. Patient. Ah bah non. Bah comment je fais pour le chèque? Là, vous l'avez pas signé. 4 minutes de la population.